Bonjour les amis de première année. Nous allons commencer avec le message de la journée. Vous êtes dit, bonjour les amis. Aujourd'hui, c'est mardi le 2 juin, le 169e jour d'école. Hier, c'était lundi et demain, ça sera mercredi. Aujourd'hui, vous allez travailler en sciences sociales. Madame Strutt a préparé une activité à compléter. Vous pouvez aussi travailler en musique, en art visuel, en drame, en santé ou en éducation physique. Il faut aller regarder dans la classe de Monsieur Johnson pour trouver ces activités. Vous me manquez beaucoup, beaucoup, mes amis, et je vous aime beaucoup. Continuez l'excellent travail. Gros bisous. Rigolons ensemble. Our joke of the day today was sent to me by Natalie. So Natalie, thank you so much for sending the joke. Here it is, you ready? It says, what did one wall say to the other? Okay, I'll repeat the question and then I'll listen to see what you think. It says, what did one wall say to the other? All right, are you ready? It says, what did one wall say to the other? I'll meet you at the corner. Good joke, right? Thanks so much, Natalie. OK, parlons ensemble. La question d'aujourd'hui, c'est quel est ton biscuit préféré? OK, pour répondre à cette question, je dis mon biscuit préféré est. OK, maintenant, je comprends que c'est possible que vous n'avez pas les bons mots pour répondre à cette question. Donc, on peut dire « mon biscuit préféré est » et tu peux finir la phrase en anglais. OK? Parce que je comprends que certains vocabulaires y manquent. OK? Donc, si tu demandais à madame « mon biscuit préféré est un biscuit aux citrouilles. It's a pumpkin cookie. » Et c'est délicieux. On les fait souvent. We make these cookies often in my home. And it's yum, yum. Donc, je vais poser la question et ensuite je vais écouter pour entendre vos réponses. On est prêts, les amis? Quel est ton biscuit préféré? Ça, c'est excellent, mes amis. Donc, je vais vous souhaiter une excellente journée. On se reverra demain. OK? Au revoir, les amis.